Salutations, mes chatons, c'est Chicouette. Et oui, on se retrouve. De toute façon, vous avez vu le titre. Hein, donc, faites pas genre, je sais pas pourquoi vous êtes là. En fait, ça va être compliqué de faire des titres mystères comme ça, n'empêche. Enfin, bref. Donc, on est là pour la. Comment on dit ça? Hit ou height? Mais je pense qu'on dit hit set. It's that box, du coup, la numéro 39, la version Saint-Valentin, édition 2024, de chez Marionneau. Alors moi, c'est la première fois que je la prends. Alors moi, je l'ai vue auparavant, les autres éditions des copines qui l'a présentée. Pour moi, c'était très, 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 très insatisfaisant. D'où fait que, que je les ai jamais prises. Là, j'ai vu, je crois que j'ai vu deux unboxings et le premier, je me rappelle même plus de qui il s'agit. Le deuxième, c'est Sylvie de la chaîne Beauty Test Addict. Ouais. Et je lui ai dit, Et puis quand Sylvie dit. Ah, il reste peut-être des box et tout, et j'ai été voir, et effectivement, il en restait. Donc, je l'ai prise. Mais avant ça, avant de vous la présenter, j'ai tiré au sort, comme d'habitude, le râle du jour. Donc, là, c'est le My My Maybelline, pour ceux que ça avait manqué par rapport au Vlogmas. Ah, putain. Et oh, pardon. Alors, c'est censé être un crayon contour des lèvres sculptant. Hein. Moi, quand il y a des trucs comme ça, je mets toujours sur toutes les lèvres, du coup. Et du coup, c'est la teinte 56, c'est le Almond Rose. Rose. dédicace. Du coup, hashtag rose, du coup. Il suffit plus le hashtag bleu maintenant. Voilà. Donc, oh merde. Ouais. Ah oui, il fallait que je dise un truc. Donc, il est comme ça. Donc, il se twist. Il se twist. Un twister. Allez, Beverly, arrête tes conneries. T'imagines si on twist. Oh, un chat. Et hop là. Sauf que je comprends pas pourquoi ils ont mis un tag crayon. Surtout que le machin, il se twist. Mais bon, est-ce qu'ils ont mis ça sur tous les packagings? Possible. Donc voilà, et ça c'est fait. Et du coup, ça rend comme ça. Attends, lumière. Pourquoi j'arrive pas à vous montrer? Oui, bah oui, parce que. Attends, il est où ce con? Oh, il a tourné la tête. Trop mignon ce chat. Voilà. J'aime bien. En plus, il est crème. Oh! J'ai un truc entre les dents, pardon. Je vous ai fait montrer en plus, c'est pas grave. C'est naturel. Mais voilà. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, elle se présente comme ceci. Donc voilà. Totem de la Saint-Valentin. Pardon. J'ai vérifié si rien n'est dégraissé. Alors oui, j'ai eu le droit à 5 échantillons et c'est moi qui a dû choisir. Voilà. Oh, reviens, 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 reviens. Bah de toute façon, voilà, donc c'est un échantillon de parfum. Bon, après c'est que des échantillons de parfum, sauf celui-ci. Du coup, là, c'est la marque, c'est Guerlain. Et du coup, c'est le Aqua Allegoria Forte. Donc, Nerolia vétiver, donc c'est à base certainement de plantes, de plantes ou de fleurs. Ouais. Donc le packaging du parfum. Alors déjà il y a ça, présenté comme ça. Et comme ça de base il est, voilà. Après c'est des flacons comme ça. Donc ça je garde. Et oui, vous avez compris. Je suis en crampe. En crampe.
Voilà, donc on va passer à lui. Alors, c'est Biotherme, du coup. Et c'est. C'est une crème anti-âge et anti-rides et uniformité, tout type de peau. Et c'est au rétinol. Bon, vu que c'est pas un sérum, ça va. Ça aurait été un bout de sérum, je l'aurais pas gardé pour un échantillon. Je l'aurais donné à quelqu'un qui aime le rétinol. Puis c'est très bien. Hein? Toi-même, tu sais. Ah! Ensuite, là, ça je peux garder. C'est la marque Valentino Donna. Pourquoi Donna? Je sais pas, mais en tout cas, c'est Valentino. Et pardon? Et c'est les. Et c'est. Oh! Je vais y arriver. C'est le Born in Roma. Bon, c'est un truc comme ça. Hein. Et de base, il est comme ça. J'ai vu qu'ils avaient sorti le rose, enfin le rose de Lady Gaga, non, je Ça va, il sent bon. Ouais, du coup, je suis sur le déco. Pas le choix. Qui c'est que j'ai. Ça, le meilleur pour la fin. Ça, je ne garde pas, je vais le donner à mon frère parce que. Ma mère n'aime pas dans le sens où c'est pour homme, mais bon voilà. C'est la marque Yves Saint Laurent et du coup c'est le. C'est le Why Not. Oui, je suis con, il y a un double, un Y. Je le ressens pas parce que c'est ce qu'il sent et j'avoue que moi, même moi, j'aime pas. J'aime pas et c'est celui-ci. Donc il est comme ça et je le donnerai à mon frère. Je le vois quoi? Ah bah je le vois ce week-end, donc je lui donnerai. Voilà. Et le meilleur pour la fin, dédicace à. Pardon. Ah mais ça pique de ouf. Ah, c'est Lyon encore une fois de la chaîne Beauty Test Addict. Puisque. c'est la marque Lancôme et c'est une de ses marques chouchoutes. C'est le fleur de nuit. En vrai. Il est beau le packaging, je trouve, en plus. Voilà, et il donne tellement envie, je crois que c'est nouveau peut-être. Hein. Dis-moi, je pense que, vu que tu connais, je pense que c'est un nouveau. Hein. Je pense que c'est un nouveau. Et je crois que lui, c'est lui qui sent hyper bon. Voilà, c'est mon préféré de tous pour l'instant. Il est beau, à voir, prochain cadeau, à Noël. À Noël et tout ça. Donc ça, voilà. Ensuite, hop là, donc c'était pas rangé comme ça, hein, c'est moi qui. Toujours dans une petite pochette. Ouais, sa mère. Ouais, sa mère. Pardon, excusez-moi, il est marqué Saint-Valentin, édition 2024. Donc, c'est tellement le bordel que je vais prendre comme ça vient. Encore du parfum, je crois qu'il y a deux. Il y a un échantillon et une miniature. Je vais mourir. Là, nous avons une miniature donc de 5 ml de la marque Chloé et c'est le Nomade. Donc, c'est Nuit d'Égypte. Donc, packaging de ça. De ça, là. Et voilà. Donc, Chloé, et là, il est marqué Nomade. Ok. Je croyais qu'il s'ouvrait mais par-dessus, mais en fait non, c'est vraiment le tout ce qui est doré qui s'enlève. La vache, il sent bon aussi. Il sent bon, j'adore. Ok, je valide déjà une miniature, c'est déjà mieux qu'un échantillon. Bon, par contre, un petit. Quand même un petit hic. Ça se voit pas, bah oui, ça sert à rien du coup. Ça, deuxième parfum, mais là c'est pour homme. Donc, donne à mon père. Donc, c'est 3 échantillons. Heureusement que il y a des marques qui rattrapent la box parce que sinon je l'aurais pas pris. Pour un homme de Caron, c'est la marque. Alors. Voilà.
Il y a trois petits échantillons à l'intérieur qui est un peu, je dirais, hein, si j'ai bien compris, dans la même gamme. Hein. Il y a peut-être quelques trucs qui se différencient. Et voici le packaging de ça. Donc ça, ouais. Bah, si, voilà, j'arrive à le choper. Ça fait pas... Là, ce que je vous montre, ça fait partie de la box. Hein. Et après, normalement, il n'y a rien qui est... Voilà. Donc... Putain, si, je crois que c'était lui aussi. Parce que je me suis dit, c'est trop, c'est pas les mêmes échantillons pour tout le monde. Mais je crois que si. Là, c'est Lolita Lempicka. Qu'est-ce que j'adore ce parfum. Sauf que là, c'est Hein? Attends. Mais écoute, bah, c'est Lolita Lempicka, le parfum. Il n'y a pas d'autres inscriptions, donc voilà. Il sent bon aussi, lui. Donc, pour moi, les échantillons. La miniature, encore, je dis rien. Mais les deux échantillons. Donc, hop. Là, c'est une basse-côte de la marque Marionneau. C'est base et top coat. Ça fait les deux en même temps. Donc, ok. On en a toujours besoin, mais bon, c'est pas ouf non plus. Ça, je connais, mais ça va être pas pour vous. Et du coup, c'est pour ma mère parce qu'elle le connaît. Elle le connaît en vrai et elle aime bien. J'aime bien aussi, mais en plus, vu le produit, voilà. C'est un lait parfumé, donc c'est de la marque Nuxe. Et c'est dans la gamme Prodigieux. Et c'est le lait parfumé, les corps sublimateurs. Et je sais que c'est le 100 ml. Et il sent trop bon celui-ci. Hein. Il sent trop bon, donc celui-là, ça va être pour ma mère. La marque Payot. Vous voyez les marques là déjà? De la marque Payot, qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans la gamme Source, certainement, parce que c'est écrit en gras et tout. Et c'est... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est une lotion. Avant la crème de soin sur le visage et le contour des yeux. Je suppose que c'est une lotion. Et ça m'en a l'air d'être une lotion. Et donc, il est marqué infusion hydratante repulpante. Voilà. Donc, je suppose que c'est ça. Et vous voyez, il y a des petits trucs là. Non! Oh là là, heureusement que c'est pas fragile. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça doit être des fleurs. Mais de quoi? Attends, j'essaie. Ah bah c'est des algues marines. Des pétales de bleuet, pardon. C'est des pétales de bleuet du coup. C'est marqué. Ok. Et ça. Ah ça va, c'est très léger. Ça sent pas comme le jasmin ou la lavande, quoi. Chut, j'ai rien dit. Si, j'ai rien dit. Ensuite, on a la marque Emma et Chloé. Donc, c'est une collaboration avec Marionneau, du coup. Hein, petit pochon. Et c'est un bracelet, si mes mémoires sont bonnes. QR code, c'est pourquoi. C'est marqué quoi? Découvre un cadeau. Oh, ça trouve un cadeau. Hop. Donc, c'est un bracelet, il est lourd. Et il est pas fin, quoi, déjà. Voilà. C'est des grosses mailles. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, donc... Je vais voir avec ma soeur, mais je pense qu'elle va le prendre. Je vais voir avec elle ce week-end. Ouais, ce week-end. Et je vais voir le QR code plus tard, hein, bien sûr. Bien sûr! Donc ça, c'est cool. Ensuite, là, nous avons la marque La Roche-Posay. Et du coup, c'est... Et qu'est-ce que c'est que ça? Un sérum, dis donc.
Un sérum rénovateur éclat anti-rides et antioxydants. C'est pure vitamine C10. Donc c'est pour les rides, pour le manque d'éclat et grains de peau irréguliers. Avec de l'eau thermale, de la rouge posée. Oui, bah ça, tout. Et l'acide salicylique. Salicylique, pardon, c'est dur à dire. Combien aux peaux sensibles? Ah, c'est pour moi! Pour une fois que ça. Voilà. Donc ça ressemble à ça pour le packaging. Et du coup, il y a la pipette et le flacon à côté. Et voilà. Donc, ah, j'ai oublié de préciser, c'est un 10 ml. Ah, c'est déjà pas mal, je trouve. Bon, j'aurais aimé le. Putain! Ah, voilà. J'aurais aimé le 15 ml, tu vois, au moins. Et puis, bah, t'as la pipette à côté. Voilà, tu ouvres, enfin c'est pas compliqué. Tu ouvres et voilà. Et ça sent la vitamine C. Ça sent la vitamine C. Ouais, donc c'est trop bien. Encore un sérum, oui. Qu'est-ce qu'on en bouffe du sérum? Enfin, façon de parler, bien sûr. Alors, il y a une palette de chez Marionneau pour le coup, et c'est la palette yeux éteints au clair de lune. Donc c'est la version Noël 2023 parce que. C'est le packaging, hein, pour ceux qui ont vu les l'unboxing du calendrier et les Vlogmas, bah, vous reconnaissez le packaging. Voilà. Wine up, oh, wine up, oh, wine up, oh yeah. Ah, je vais garder le carton parce qu'il y a une date d'expiration. Pour une fois que c'est marqué. Ah! C'est valable jusqu'en octobre 2025. Bah déjà, oh putain. Hop là. Très bien protégé. Ah bah pas besoin parce qu'il y a du coup il y a le. C'est marqué là aussi sur la palette. Très bien. Ça coûte des gueules en fait. Voilà. Ah, quand je vais. Peut-être que quand je vais faire le TikTok, je vais garder le carton. Donc c'est doré. Hein? Et du coup, il est français. La palette, je viens de le dire. 6 ombres à paupières, un blush, un enluminateur, une poudre bronzante, un miroir. Interrompre l'utilisation en cas de réaction indésirable. Oui, bien sûr. Je suis pas con, hein? Pardon, excusez-moi. 16,3 grammes quand même. Hein. Alors, comment ça va rendre comme ça? Il y a un petit miroir du coup. Aïe, aïe, aïe. Et. Ah, il y a du scotch. Ok. Oh non! Putain, il y a. Bon, vous voyez à peu près. Salut! Oh, vous voyez bien là. Oh putain, je bouge plus. Voilà. C'est bien parce qu'il est marqué yeux, visage. Donc ça, c'est le blush, highlighter et le bronzer. Et encore les yeux. Ah! Excusez-moi. En fait, celui du milieu, je vais même pas utiliser. Du coup, j'ai utilisé que les ceux qui sont sur le côté. Donc voilà, je trouve ça trop bien. Franchement, ah! Je suis con, et le meilleur pour la fin, pour moi, hein, quand même. Pour moi, c'est de la marque Shiseido. Ah, c'est une. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est un 15 ml pour le coup. C'est une crème suprême concentrée, hein, bah oui. Ça lift. Donc, fermeté, éclat et redéfinir la peau. Anti-âge, MDR. De toute façon, voilà. Hein. Ok. Regardez les mignons petits packaging. Voilà. C'est un peu rosé à l'intérieur. Ah, ça sent bon, putain. Pardon, excusez-moi, mais ça sent bon. Voilà.
J'espère qu'il n'y a pas de faux fond, mais je pense pas. Enfin voilà pour moi. Donc pour moi, je l'ai prise parce que déjà Shiseido, voilà. Puis c'est pas le même produit que d'habitude. Ah, parce que d'habitude, il n'y a que le sérum qui mettent. Ensuite, bah il y a Payot hein, qui m'a intéressée. Il y a bah, la marque quand même Emma et Chloé, le retrouve en box, voilà. Même si le bracelet. Voilà. Bon. La petite miniature de Chloé. Voilà. Nuxe. La roche posée quand même. Hein. Et puis bah, il y a deux produits Marionneau. Ouais. Moi pour moi ça va. Ça m'a fait. En tout cas, moi, ça me l'a fait la prendre. Et voilà quoi. C'est bien parce que dans les échantillons, il y a un parfum pour homme et pour femme, tu vois, comme ça, pas de jaloux. En même temps, vu le thème Saint-Valentin, pour lui et pour elle, c'est pas mal, hein. Donc voilà, donc si vous avez aimé, et puis dites-moi ce que vous en pensez aussi de base. Si vous avez aimé, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement si le cœur vous en dit. Moi, je vous embrasse et je vous aime et on se retrouve plus tard. Bisous, merci.